Coucou, ça fait un petit moment que je dois vous faire la deuxième partie du test de Jurassic World. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même image d'intro que la première fois du coup, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Donc là, le but c'était de vous montrer comment se passait un combat. Donc on va regarder ça ensemble. Donc c'est un jeu qui est plutôt sympatoche, mais je vous avoue que j'y joue plus trop pour l'instant. À fond Dead by Daylight pour ceux qui n'auraient pas suivi. J'aime bien savoir le soir quand je rentre du boulot, j'aime bien me défouler sur Dead by Daylight et savoir à quelle sauce je vais être mangée. Allez, go! Go, go. Hop. Alors, donc, on s'en fiche, on va pas regarder tout ça. Faudrait que j'aille voir le petit bonhomme en jaune, là, le petit monstre, le petit dinosaure en jaune. Et déjà, on va attaquer directement. On va aller attaquer directement les combats. Steposo. Allez, un petit combat, go. Alors, est-ce qu'on va avoir quelqu'un de connecté et ce serait... Voilà, un tout petit peu de son quand même, ce serait pas mal. En espérant ne pas vous le mettre trop fort, puisque visiblement, la dernière fois, on ne m'entendait pas assez. Et je suis désolée, j'ai la voix un petit peu qui part en cacahuète. Je vais essayer de pas vous tousser dans les oreilles. Allez go, ça y est, donc on a quelqu'un contre nous. Choisissez une créature. Alors, donc votre équipe, vous savez pas forcément sur qui vous allez tomber. Donc pour commencer, on va prendre celui-ci. Alors, niveau 7 contre niveau 7, ok. Alors, si on appuie longtemps, vous pouvez voir ce que ça fait. Donc là, il va être vulnérable pour un tour. Ici, on lui enlève tout ça, ça fait x1,5 les dégâts. Et après, sa vitesse est réduite pour 2 tours. Merde, je suis pas allée assez vite. De toute façon, c'était à lui. Là. Bon, donc ça fait une attaque auto. Et ça, c'est la défense courte. On va se faire ça. Donc vous voyez ces os là, ils sont un petit peu plus fragiles et il est tout. Son corps il brille là tout partout. Donc j'ai peut-être pas bien joué mon truc hein, du coup, puisque je me protège certes, je vais lui enlever du dégât. Mais par contre, j'ai pas profité du fait que j'aurais pu lui faire plus de dégâts en fait. Alors, c'est moi qui ai les petites flèches, c'est moi qui vais pouvoir jouer en premier. Et vu le peu de vie que j'ai, je vais faire ça. Et on va switcher avec toi. Voilà, comme ça je reste plus rapide toujours. Je l'étourdis. Et on va lui faire une petite attaque, frappe de supériorité. Coup critique, c'est parti. Donc voilà, vous voyez un dinosaure en haut à gauche, donc il faut que j'en ai 3 pour gagner, sinon c'est lui qui gagnera. Du coup, on va faire ça. Ça, c'est assez méchant son coup là. Hop. Et mais il est étourdi, c'est ça l'avantage. Alors, hop, on va lui refaire ça. Allez, allez, allez. Ah, il a changé. Alors, pam. Ok. Alors, je sais pas du tout si je joue bien là en ce moment, mais donc là, on va lui refaire ça, purifier les diversions, et il aura moins 50%. Ça fait mal, son petit saut là. J'ai mal joué.
parce que là, prochain coup, c'est lui qui va commencer. Si c'est lui qui commence, je suis mal. Il faut que je change de bonhomme. Il est mort. Un contre un. Choisissez une créature. Je vais prendre toi. Mon petit Galliminus, donc il est très rapide. Et regardez ce qu'il fait. Donc, il fait 50% d'esquive pendant un tour après. Donc, on va lui faire une petite paf. Et on va voir en espérant esquive. Ouf, on n'a pas esquivé. Bon, bah tant pis pour moi. Bon, je suis mal barré, les cocos. Choisissez une créature. On va pas lui faire plaisir de gagner. Donc, on va prendre celui-ci. Alors, j'ai pas vérifié la team que je faisais. Donc, comme ça, c'est simple. Ah, purée. Bon, moi, je suis crevée, les gars. Hein. Désolée. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre devant moi? Ah! Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui sera trop fort pour moi. Donc, on va faire quoi? Bon, on va se tenter ça, mais bon, voilà. C'est fini. Je suis crevette. Donc, mes points vont baisser. Voilà, moins 27 au niveau du classement. Mais 458, c'est mon classement général, entre guillemets. Alors, à la limite, ça a été assez rapide. Est-ce qu'on s'en fait pas un petit deuxième? Et puis après, je vous abandonne parce qu'il faudrait peut-être que je mange avant de reprendre le boulot. Allez, c'est parti. On va essayer un deuxième. Et après, je vous abandonne. Allez, pourvu qu'il y ait quelqu'un qui se connecte rapidos. Et je me souviens plus trop, en fait. Je me souviens certains dinosaures, ce qu'ils font. Mais je vous avoue que je me souviens pas de tous, en fait. Olé ! Olé, olé ! Olé, olé ! Oh purée, l'adversaire il vient pas en plus quoi, c'est cool. Bon bah ça sent pas bon quoi. En général c'est quasiment direct quand même. Hein. Bon, allez. On va laisser tomber, je peux pas. Non, il faut que j'attende en plus. Bon, bah, en attendant, j'ouvre ma salade. Hop. Spotty. Votre adversaire n'a pas pu se connecter. Allez, dépêche-toi. Allez, on retente. Oh, c'est parti! J'ai peur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, les oiseaux, c'est pas mal parce que vous pouvez switcher en fin de tour. Vous tapez un coup et vous switchez. Et le dernier, il se soigne. Donc, on va prendre celui-ci. Ah merde! Oui, bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Oh! Oh, il est niveau. Oh, lui, dis donc. Oh là là. Alors, déjà, on va faire ça. À se protéger. Je pense qu'il va faire bien mal, et à mon avis, voilà. Il brise les défenses. Il contre-attaque, il brise les défenses. Alors, il s'est foutu un bouclier aussi. Bon, bah écoutez, ça s'est mal barré, hein. Déjà, ça commence mal. Et je peux pas me barrer en plus. J'ai pas fait gaffe. Ouf. Allez, pitié.
Oh putain. Ah, par contre, en fait, j'ai pas choisi, j'ai pas vu et je n'ai pas pu changer mon bonhomme parce que j'étais née dans la salade. Donc, j'aurais peut-être pas mis lui, quoi. Ah non, je crois que tu peux pas choisir quand tu fais l'autre, je sais plus. Alors? Putain, c'est mal barré les cocos. Hein. Putain, il contre-attaque et tout, là c'est mort. J'ai pas pris la bonne team là. Allez. Allez, prochain coup, je suis morte. Voilà. Eh bien, écoutez, on va prendre voilà, Miragaya. Alors toi, l'avantage, c'est que tu te soignes, mais bon, à mon avis, tu vas pas faire mon feu quand même. Coup critique, 364, ça le fait quand même. Ah putain, bah voilà. Ça a été très rapidos. Un seul dinosaure, j'ai même pas pu le crever, quoi. Donc, ben voilà, vous avez vu le truc. Quelqu'un pour qui reprend. Il y a des dinosaures qui sont plutôt pas mal à jouer, pourtant, c'est dommage. Mais je suis pas forcément tombée. Déjà, là, lui, l'adversaire, il était trop coriace. Et je suis pas tombée sur les bons dinosaures, je pense aussi. Ça m'a pas aidé. Alors, toi. Alors, lui, il faisait pas des gros, gros dégâts. Par contre, il tapait très, très fort. Après, voilà, ce genre de dinosaure-là, en fait, tac, hop, 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 vous avez la contre-attaque en quatrième attaque, là, la contre-attaque qui est pas mal. Et le remplacement féroce, c'est-à-dire que quand il entre en tant que remplaçant, eh bien, en fait, il fout une tatane à l'adversaire. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est le genre de dinosaure. J'aurais peut-être dû changer. Les oiseaux, en fait, ça se. Vous pouvez foutre une petite patate, mais alors ça tape pas fort. Hein. Mais vous foutez une patate à l'autre et vous dégagez, en gros. Vous vous faites remplacer. Celui-ci, je le mettais dans ma team parce qu'il est intéressant, parce que il peut se soigner, le Miragaya. Et alors là, j'ai vraiment pas eu de chance, mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je l'ai pas fait évoluer, donc ça dépend peut-être du niveau des joueurs aussi sur qui je suis tombée. Mais en fait, le Galluminus, vu qu'il est rapidos, en fait, il peut, premier truc, 50% de chance d'esquiver les dégâts directs pour un coup. Et après, sinon, c'était il tape, le deuxième, et il remplace. Voilà, donc c'était plutôt pas mal, mais bon, du coup, il a pas eu la chance de bien participer au truc, hein, voilà, donc c'est un peu dommage. Après, qu'est-ce qu'il y avait? J'aimais bien aussi ce genre-là parce qu'ils ont des grosses armures, je crois, hein, ceux-là. Hop, 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 fais voir. Ah non, chance d'étourdissement, c'est pas ceux-là. Il y en avait qui avaient des armures un peu costauds et qui étaient pas mal. Je sais plus trop lesquelles. Vulnérabilité, donc ça voilà, vulnérable, tu lui fous un peu plus de dégâts avec ses os qui brillent là. Et il y a celui-là aussi qui était vraiment pas mal. Mais bah, je l'avais sorti à un moment de la team pour en monter d'autres. Donc le Vélociraptor, et en fait lui, hop, le bon inflige x2 les dégâts et la cible dégâts réduits de 50% pour un tour. Donc c'est vrai qu'il était pas mal, il faisait quand même des bonnes petites patates celui-là. Voilà, donc bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez joué, si vous aimez jouer, etc. Et puis bah, écoutez, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis bah, désolé pour la qualité des combats qui ont été plus que médiocres. Voilà, salut à tous, ciao ciao!